je suis le président de l'IPL, des SFD, système financier décentralisé du Sénégal. Je viens ici aujourd'hui avec mes pairs pour assister à l'Assemblée générale de l'IPM. C'est il y a 2 ans que l'ensemble des SFD du Sénégal se sont retrouvés pour créer une IPM afin de faire face à la précarité des emplois et des difficultés dont sont confrontés les acteurs du secteur. L'APSFD, l'association professionnelle, a fait cette organisation, a appelé tous les membres à se retrouver pendant plusieurs semaines et au bout, on a mis en place l'IPM. Mais à chaque année, on doit faire un rapport d'activité et le présenter à l'ensemble des représentants du secteur. C'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui à Thiès. L'année dernière aussi, on l'avait fait à Thiès. Cette année, on revient le faire à Thiès parce que Thiès nous porte bonheur. Et sachez que soigner n'importe où dans le pays puisse trouver une infrastructure qui l'accueille. Actuellement, nous avons contracté avec les hôpitaux régionaux du Sénégal, l'ensemble des hôpitaux régionaux. On a même mis là-bas de l'argent en prépayé et pour permettre à nos agents de se soigner et à leur famille de soigner facilement. Ça, c'est là, donc, l'accessibilité géographique. Donc là où les compagnies d'assurance n'arrivent pas, nous, on parvient à y arriver. Il y a l'accessibilité financière. C'est-à-dire qu'on parvient aussi à se soigner à moindre coût. Donc la cotisation n'est pas énorme. C'est basé sur le salaire. Et ça va jusqu'au maximum 10% du salaire de base, plafonné à 250 000 francs. Donc c'est ça la cotisation. Donc nos plus grands défis, ça en fait partie, l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Dès qu'on règle ces deux questions-là, donc on est à l'aise. L'essentiel maintenant, c'est de faire en sorte que le maximum d'institutions adhèrent. Mais on est également sur ce chemin-là. Aujourd'hui, on a évité de grosses structures financières qui n'étaient pas encore membres, mais qui prévoient de venir dans les prochains jours. Parce que nous avons fait un travail envers eux. Cela fait 2 ans qu'on les cotise. Voilà, maintenant, alhamdoulilah, on commence à s'entendre. Donc, dans quelques semaines, notre portefeuille va s'agrandir. Et c'est ça la loi du plan. C'est ça qui fait développer une société comme une IPM. Une IPM, s'il n'y a pas beaucoup d'adhérents, il n'y a pas beaucoup de population, ça ne peut pas durer. Et nous avons espoir que notre IPM là va continuer parce que maintenant tout le monde commence à venir. On commence à se faire connaître, on commence à se faire respecter par les structures. Parce que là aussi, c'est une autre question. En général, si on fait un premier pas vers une structure hospitalière, on lui dit ah, attention, nous les IPM là, on n'en veut pas. Mais à nous de nous défendre, à nous de nous expliquer, à nous également même de mettre une caution. Si on met une caution avant prestation, ils ont confiance. Et au fil du temps, avec le règlement très rapide, ils vont dire ah, vraiment tous les IPM du Sénégal ne sont pas pareils. Parce que dans les années 80-90, on a connu beaucoup d'IPM qui sont partis en faillite. Et là, on ne veut pas que ça nous arrive. Parce que nous, ça ne doit pas nous arriver d'ailleurs. Parce que nous sommes des financiers. Nous sommes des financiers de métier. Nous connaissons la microfinance, nous connaissons l'économie communautaire. Le développement communautaire, ça ne s'invente pas. C'est un métier. C'est un métier. Nous avons ce métier-là. Nous sommes formés depuis plus de 20 ans, depuis 30 ans pour certains. On est dans le secteur du développement. On sait comment faire un budget, on sait comment suivre un projet. Et c'est ces mêmes pratiques-là qu'on va appliquer pour l'IPM. Quels sont les objectifs qui ne sont pas atteints? Non. Sur le plan des résultats, tous les objectifs sont atteints. Tous les objectifs sont atteints, tout est ouvert. Ce qu'on voudrait simplement, c'est avoir le maximum de mutuelles d'épargne de crédit. C'est uniquement là où nous sentons un manque. Sous présent, vous n'avez pas de cas qui a nécessité une évacuation à l'étranger? Non, non, les IPM ne font pas ça. Okay. En principe, parce qu'au Sénégal, on peut compter, je ne peux pas décider de non, mais je connais une IPM qui fait ça. Mais cette IPM-là, elle est assez forte. Elle est allée jusqu'à avoir un budget de 1 milliard. Voilà, parce que c'est l'employeur qui subventionne. Je pense que vous ouvrez d'autres corps de métier, puisque vous êtes la plupart des financiers. Ok, oui. C'est-à-dire que l'IPM, une IPM, est faite pour une branche d'activité en général.
mais la loi a permis d'accueillir d'autres corps de métier. La loi le permet. Mais nous, on est saisi par certains, mais c'est prématuré. On se dit c'est prématuré. Essayons de prendre autour de nous d'abord, avant d'intégrer d'autres. Mais la loi permet que d'autres personnes, d'autres corps de métier viennent s'intégrer, se greffer à notre IPR. Ça, c'est permis par la loi. Et même si on ne le fait pas, le ministère du Travail peut nous imposer cela un jour. Voilà. C'est-à-dire que le ministère du Travail peut voir quelqu'un qui n'est pas dans une IPR, il lui dit « va dans tel IPR ». Et il parle avec cette IPR-là pour qu'il l'intègre. Et vous dites, en tant que solidarité, puisque vous êtes un enjeu ? Non, on n'est pas encore riche. On veut stabiliser d'abord. Uniquement, c'est une question de stratégie. On veut stabiliser d'abord avant de s'enracer. Donc vous savez, il faut s'enraciner, il faut s'ouvrir. Les mises en place par l'État, on ne peut pas s'en réjouir. On ne peut pas s'en réjouir. Cela nous pousse tout simplement à mieux réfléchir notre modèle. Voilà. Parce que nous, ce que nous importe le plus, c'est notre modèle. On n'a qu'à faire en sorte que notre modèle soit meilleur chaque jour. Que la couverture maladie est grâce. Non, on ne peut pas faire de comparaison entre les deux. Oui, parce que d'ailleurs, nous, on est appelés à travailler avec la couverture maladie. Donc, le bébé de diamant, nous avons vu que nous avons été ici pour la microfinance. Personnel, soo koy faj nga yëg andi ko lu bees danaan ah ndax li ñu andi dina ma fajati waaye ñoom système d'assurance bi lañ nekkoon mais ñu war nañ leen lii c' est un système obligatoire yoon moo ne par force képp koo xam ne da ngay liggéey dañu war a boole si benn IPM. Voilà ñoom xamuñu ko woon parce que IPM amul woon peut être amul woon ñoom suñu bos bi moo tax mën naa am mais léegi xam nañ leen li war a xamal ñoom ñoo si des. En 2017, il y a 211 millions de bénéficiaires, 3 000 bénéficiaires de 1000 adhérents. Voilà, c'est-à-dire que l'adhérent est obligé de faire. C'est une famille. Nous sommes les familles, nous sommes 3 000. 3 000, nous sommes tous, nous sommes tous les familles. Mais c'est financier de cette tradition. Est-ce que vous avez motivé à avoir mettre en place ? Oui, disons. Mon collègue M. Diaye vient d'en parler tout à l'heure, nous avions constaté vraiment un manque, une insuffisance dans la couverture médicale de nos employés. Jusqu'à maintenant, jusqu'en 2016, nous avions travaillé avec des assureurs, des compagnies d'assurance. Mais on se rendait compte que ça ne réglait pas le problème. Il y avait beaucoup de complaintes, il y avait beaucoup de tolérance de la part du personnel, notamment ceux qui sont sur le terrain. Alors nous avons dit d'abord pour deux raisons. D'abord faire face à ces difficultés de nos personnels. Le deuxième élément, répondre à aux autres pays de l'UEMOA. C'est la première fois que dans un pays, le secteur de la microfinance se retrouve et crée une gestion de prévoyance maladie. C'est la première fois aussi qu'une association professionnelle de microfinance crée sa propre convention collective. Même pour les banques, c'est la convention collective du commerce qui est appliquée. Nous avons maintenant notre propre convention collective de la microfinance qui nous permet de mettre en place aujourd'hui cette gestion de prévoyance maladie. C'est vraiment une fierté et les autres pays de l'UEMOA sont en train de vouloir nous copier. Et ce sera avec plaisir. De toute façon, c'est une fierté pour l'association. Mais aujourd'hui aussi, en ma qualité de directeur général de Kouri qui accueille pour la deuxième fois l'Assemblée générale de cette IPM, je ne saurais que glorifier et remercier le président de l'IPM pour ce joie porté à notre institution ici à Thiès. Philo,
manam dañu togon fo xamné suñu liggéey kat dañuy am jafé jafé pour sen couverture médicale sen labo ak sen jabon aussi mais aussi dañu sennu né loi dafa ñu ni dañu wara am IPR même su ñen ko amul sen biir dañ ko wara wuti fenen ngeen adhérer sen personne ñu togon fo ni presque on était tous hors la loi parce que amuñu ko à part ben exception defena ci biir kurel bi on nañ ko jul sam ni crédit mutuel kessé mo amul IPM ci biir ci waxtaan yoy nak lañ ci top ñun APSMD top ak suñuy natango yi waxtaan pendant ñetti at ba ñent at ci lañu taxawal en 2016 notre IPM yalla bi nga xamné fierté la ci ñun parce que légui mën nañ wax ni suñu personnel yi seen paj gën na yomb gën na sel gën na yaa tay fo nek ci Sénégal lu mu sori sori bo ñu may am nga représentant IPM bi bo xam nga ñu dem fay ak sa bu nek won assemblée générale bi ñu bëgg nañ ci lool ñu ci gëreum le président de l'IPM Issa Abdoulaye Ngaï nga xam ni mom aussi taxaway rafet na lool ci ñi bi nga xam ni ñu koy def ñu sant Yalla bu baax da bëgg nañ aussi yeen ngeen jappalé ñu ñi xam ni amna ay initiative yo xamné ay sénégalais ñi koy jël muy dox ci ñaari at gis ngeen lu ëpp ñaari téméré ñi ñom def nañ ko ci fajj ci ñu personnel yi ci lepp ci suñu o gafa ak gafa ka personnel yi ci la joggé amul benn dimbal bo xamné am nañ ko de la part de l'état ou d'autres partenaires lool aussi c'est important ñu koy gis diko woné ñepp mën ci jël exemple il faut tout commencer nga tambali ci sa sa banque sa rewou voilà lolou la gestion de microfinance biñu nekké ci assurance yarou moy tout tour bi mais amul benn semaine ben ay bis buy jall déggo ñu wax dem na pharmacie sangam muni duñ ma jox garab parce que assurance fay ko dem na clinique sangam muni duma jël ndax assurance fay ko depuis ñent wër mi ñu xaray facture alors lolou dafa demone ba imagine toi ko xamne dafa nek ci njaxare ndax febar mo dem ñu ko doom na fajj ndax sa assurance fay donc bu day genn ci poste su amul lu mu genn ci poste lu muy def jafé jafé bu reey lo won mais 2016 biñu tambalé IPM ba légui man déggatuma ben problème biñu duggé ci IPM do nit ñi dañuy fajju té li ci gëna neex do genn ben dërëm man nga dem fajju consulter wu jëli garab pharmacie hospitalisé wu ben dërëm do ko génné so fajo ba paré nak ak nu facture ba toll témèr bu ci nek ñun 20% yi lay jël manam mu ko waxé won sank bu dé ñaari dundi yow ñeenti témèr nga ci fay yow personnel su démon sax ba nga fièvre bi metti na frais yi bari na li nga